Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau cours qui est la protection électrique des matériels. Vous voyez ici quelques images des appareils de protection qu'on utilise dans une installation électrique. Dans ce cours, on va expliquer la fonction de chacun des appareils et comment les brancher et quelle est sa fonction principale dans une installation électrique et comment elle fonctionne. Alors, on va commencer par vous présenter le plan du cours. Premièrement, on va expliquer les défauts électriques existants dans une installation électrique. On va expliquer qu'est-ce qu'un court-circuit, les surcharges et les défauts d'isolement. Et on va aussi entamer le rôle du dispositif de protection. Dans la deuxième partie, on va prendre chaque appareil individuellement et on va expliquer sa fonction dans une installation électrique et comment lire ses caractéristiques. Et finalement, on va vous présenter une simulation pour vous montrer comment un appareil de protection protège nos récepteurs contre les problèmes et les défauts électriques. Commençons par les défauts électriques existants dans une installation électrique. On a un transformateur monophasé qui alimente un récepteur. Dans notre exemple, on a utilisé un moteur. Ce moteur entraîne une charge en rotation, par exemple. Donc le premier défaut électrique qui existe, c'est les surcharges. Ce sont des intensités supérieures à l'intensité nominale qui traversent les fils, branchés avec le récepteur, ce qui provoque l'échauffement de ces fils et risque d'avoir un incendie. Donc pourquoi le courant électrique qui alimente le moteur augmente soudainement et arrive à une valeur plus supérieure que sa valeur nominale? Si le couple résistant de la charge augmente, alors pour que le moteur peut entraîner cette charge, elle doit augmenter son couple utile. Il doit avoir un couple utile supérieur au couple résistant. Alors pour augmenter son couple utile, il doit demander un courant très élevé au courant nominal. Alors si ce courant augmente, les fils s'échauffent, et on dit qu'on a une surcharge ou bien une surintensité. Un autre exemple qui existe, c'est un exemple qu'on voit souvent dans nos maisons, c'est ce branchement-là qui est interdit et à éviter. Vous devez éviter ce genre de branchement. C'est que la plupart des gens utilisent le même source d'alimentation pour alimenter plusieurs récepteurs. Alors le problème là, c'est que le courant demandé par ce prise est très supérieur aux capacités du fil, ce qui provoque l'échauffement de ces fils et avoir un risque d'incendie. Le deuxième défaut, ce sont les courts-circuits. Donc ces courts-circuits, ils se produisent lorsque deux fils électriques se sont mis en contact direct, comme vous voyez, suite à un défaut d'isolation. Donc, si par exemple, on a un contact direct entre la phase et le neutre de l'alimentation au niveau du transformateur ou bien au niveau du récepteur, on aura une augmentation du valeur du courant et ce problème-là, on le nomme un court-circuit. Le troisième défaut électrique qui existe, ce sont les défauts d'isolement. Donc lorsque la phase touche la masse métallique dans un récepteur, dans cet exemple, la phase touche la masse métallique du récepteur. Alors on aura un courant de défaut qui traverse la prise de terre, c'est un courant de défaut, et provoque aussi un risque de choc électrique aux personnes qui touche le récepteur. Ce problème-là, le défaut d'isolement, on l'a expliqué profondément dans un autre cours.
Je vais laisser le lien ici pour regarder la manière dont on protège chacun des régimes du neutre existant. Alors, comment protéger une installation contre ses défauts électriques, c'est-à-dire contre les courts-circuits et les surcharges? Si on veut protéger notre récepteur, par exemple ce moteur, si on veut le protéger contre les surcharges et les surintensités, il faut tout simplement couper le courant de ce récepteur, de ce moteur. Les appareils de protection qu'on va utiliser jouent le rôle d'un interrupteur qui coupe le courant si on a un court-circuit ou une surcharge. Alors, l'appareil de protection doit être branché en amont du récepteur, c'est-à-dire en amont avant le récepteur. Parmi les caractéristiques de cet appareil, c'est qu'elle doit détecter si on a un problème de surcharge ou un court-circuit. Et automatiquement, s'il détecte la surintensité, elle doit couper le courant. L'appareil de protection doit couper le courant avant que le récepteur soit endommagé ou bien détérioré. Donc, le temps de coupure de l'appareil est une caractéristique très importante pour choisir l'appareil convenable. Dans une installation qui contient un moteur, on a une remarque, c'est que au démarrage, le moteur consomme un courant supérieur au courant nominal qui arrive jusqu'à 7 fois IN, c'est-à-dire que le moteur, dans le régime permanent, dans son fonctionnement normal, il consomme un courant IN, mais au démarrage, son moteur consomme ou bien demande un courant qui est très supérieur à son courant nominal. Il arrive parfois à 7 fois le courant nominal ou bien plus que 7 fois le courant nominal. Ce courant de démarrage est très important pour le démarrage des moteurs. Donc, l'appareil de protection ne doit pas déclencher, ne doit pas couper le courant lors de démarrage. Alors, il faut savoir comment choisir l'appareil de protection pour permettre au moteur de consommer ou bien de demander le courant de démarrage dans la phase transitoire. Mais si on a un court-circuit ou bien une surcharge, il doit couper ce courant.